Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Lilian31, j'espère que vous allez bien aujourd'hui pour le 45e épisode sur Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Révolution. On continue le mode ligue en mode ligue avancée, c'est pas pour les rigolos, et on attaque la coupe Kage réincarnée. Oulala, ça a l'air dangereux tout ça. Alors attendez, je regarde juste qui c'est qu'il y a. Deuxième Tsuchi Kage, alors lui c'est... Alors si je me trompe pas... Non, ouais, si, peut-être que je me trompe. Je sais pas si c'est lui le gros spammer ou si c'est l'autre enfoiré. Il est où? Non, il est pas là. Y a pas un endroit où il est. Non, putain, il est pas. Non, je crois que c'est peut-être l'autre là, celui qui utilise le Sweet On là ou la brume là. Je sais plus lequel c'est des deux. Putain, j'arrive pas à me repérer à chaque fois. Bon, y'a lui, le troisième Raikage, ça va être rapide. Et le quatrième qui est le père de Gaara, le quatrième Kazekage. Ok, bon, mais ça m'a l'air jouable tout ça. Va falloir que je fasse attention quand même au troisième Raikage vu que c'est quand même bien rapide. Pour le personnage que je vais utiliser aujourd'hui, eh bien la grande majorité, vous avez choisi, parmi les personnages que je vous ai proposés, vous avez choisi Monsieur Lee, et on va le prendre, c'est le même ou... Pourquoi il a deux fois la même tenue, et il a deux fois les mêmes combos là, c'est quoi la différence entre les deux? Y a pas de différence ou quoi? Bon c'est pas grave, de toute manière, on va le prendre. Le voici, non, on va pas prendre avec Monsieur Guy, on va prendre avec Neji et avec Tenten. Voilà, équipe Guy, et comme ça on est parti. Et par contre, vous m'avez conseillé d'utiliser le mode type éveil. Alors ça va changer un petit peu, puisque d'habitude j'utilise la technique secret. Et bien là, non, on va utiliser le mode éveil qui apparemment, d'après ce que j'ai compris... Parce que je vous ai posé la question dans les commentaires de l'épisode précédent, parce que je ne connais pas du tout l'éveil de Lee. Je vous ai demandé s'il était activable dès le départ, et apparemment, de ce que j'ai compris, oui. Et si j'ouvre la 8ème porte, apparemment je perds de la vie, et si j'ouvre la 7ème, eh bien tout va bien. Mais il me semble pas que Lee soit capable d'ouvrir la 8ème porte dans le manga, quoi. Il me semble qu'il y a que Guy, mais bon, c'est pas grave. Allez, on va fighter. Ok, déjà, ça met des permutations. Mais par contre, voilà, Rock Lee, l'avantage de ce... Ouais, putain, ouais, c'est l'autre qui utilise la brume, là, le spammer, c'est pas lui. Par contre, l'avantage de Rock Lee, voilà, c'est que c'est un personnage qui est hyper rapide. Du coup, ben voilà, je peux enchaîner des combos, mais c'est n'importe quoi. Regardez la barre de vie, comment elle descend. Boum! Ah ouais, c'est vraiment... Oh putain, pas ça. Non, ça va, il me l'a envoyé dans le vide. On envoie Tenten, qui va envoyer des petits pièges. On va envoyer Neji. Ouais, Neji, voilà, c'est pour se protéger au corps à corps. T'aurais jamais dû venir comme ça, gros. T'aurais jamais dû. Putain, il a encore des permutations, mais. Allez, allez, tu fuis pas. Putain, il m'a eu l'autre, le Raikage là. Il m'a bien eu. Alors attendez, je vais essayer d'activer le mode éveil. Ok, c'est parti, on est en mode éveil. Ah ouais, effectivement, on perd de la vie. Et là, on va le démonter par contre. Alors là, c'est parti, mesdames et messieurs. On s'arrête plus. Oh là là, je lui ai enlevé presque une barre de vie avec le mode éveil. N'importe quoi. Ah, c'est vraiment abusé quand même là. Eh, Neji, viens. Ok, t'as raté ton clone. Ouah, ça va, je me suis bien protégé. Allez, on va le terminer. On va le terminer avec un petit combo du Taijutsu à la Rock Lee. Ça me fait plaisir de jouer ce personnage. J'ai réussi, c'est une belle victoire pour le Taijutsu. Ouais, non, ça me fait plaisir parce que on le sait tous, Rock Lee, c'est quand même un personnage qui est extrêmement abusé dans les jeux, dans les Storm, en tout cas dans les Naruto Storm, depuis bien longtemps. Et c'est vraiment très agréable, en tout cas moi je trouve ça très agréable de jouer un personnage qui est rapide comme lui, comme Neji aussi, parce que Neji est quand même très rapide, et d'autres personnages aussi, hein. Donc là c'est vraiment un réel plaisir. Après c'est vrai que son YB, bon c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux, et son double YB, ça va encore, c'est pas trop mal, j'aime bien à quoi ressemble la technique, mais bon on a connu mieux on va dire, mais bon, le principal avantage de Lee c'est quand même son jeu de combo, coup de poing, coup de pied, quoi, son taijutsu directement. Alors voyons voir, qu'est-ce qui s'est passé là? Le Raikage a gagné contre le quatrième Kazekage, ok, et bien on va l'affronter, le petit Raikage. On va l'affronter, et il va se caguer dessus, ça c'est sûr. Hein. Voyons voir, oh il fait le main, il fait le main, ouais super. Ouah, putain, attendez, j'ai un bug. Oh là là, excusez-moi le micro. Excusez-moi s'il y a des petites interférences. J'ai fait tomber le... Parce que là, en fait, maintenant, je branche mon micro sur un dictaphone. Du coup, je peux me le trimballer partout. Et là, ben, il est parti un petit peu dans le... Quoi? Qu'est-ce que c'est, cette technique? Qu'est-ce que c'est? Je suis surpris, là. Ah non, j'ai fait la tornade de... Oh là là, ça va me spammer. Ça va me spammer, ça. Je le vois venir, ça. Je le vois venir. Mais je suis plus rapide que toi, gros.
Je suis plus rapide que toi. Tu vas payer. Tu vas payer, gros, t'as plus de permutation. Allez, boum. Ah, bien sûr, le père de Gaara qui arrive en traître. On va recharger le chakra. Et on va aller le taper un petit peu. Il lui reste qu'une seule permutation, quoi qu'il arrive. Ok, t'es où? T'es où? Il est où, ce petit enfoiré? Il est là, ok, il a plus de permutation. Donc là, c'est parfait, je vais pouvoir en profiter, lui caler encore un gros combo. Non, tu t'es chié, tu t'es chié. Putain, mais c'est quoi cette technique là? Elle est chiante. Allez, Neji. Ok, bon, ça va, Tenten a réussi à le prendre. Allez, on va le terminer en mode éveil. C'est parti, hasta luego. T'as plus de permutation, alors là, c'est fini pour lui. Là, je vous l'assure, je termine le combat. Adieu, monsieur le Raikage. J'ai dit adieu, adieu. Putain, mais tu vas mourir, oui. Putain, il voulait pas crever, con. Ah là, je lui ai fait mal. Si tu ne crois pas en toi, tu ne peux pas gagner. Et ouais, Rock Lee, c'est le genre de mec. Il est pas né avec un énorme talent, mais au moins, c'est un grand travailleur, quoi. Et pour en arriver à son niveau, bah, il a dû travailler très très dur, aux côtés de Gai Sensei, et tout seul. Donc non, il faut le respecter, ce petit jeune homme. Ce gros sourcil. Ra a obtenu, par contre... bon, ouais, parce qu'il m'a enlevé une barre de vie, quand même, donc c'est vrai. C'est vrai que, bon, Ra, on va dire, mérité, quand même. Mais je me débrouille plutôt bien, là, et là, ils ont aucune chance. Là, ils m'ont... En fait, là, vous avez choisi pour moi un personnage que j'adore énormément jouer, quoi. C'est le type de personnage que je pourrais jouer, quoi, tout le temps, dans toutes les vidéos. Mais bon, je m'amuse à vous faire plaisir, voilà, à vous faire... À faire jouer, on va dire, différents personnages, parce que c'est pas forcément amusant d'utiliser toujours le même. Mais moi, vous savez, j'ai pas besoin de 100 combattants, hein. Je m'en contente que d'un seul. Moi, je prends Rock Lee, y'a pas de souci. Je prends un Neji, y'a pas de problème. Un Kiba, une connerie comme ça. Parce que ouais, je suis un gros enfoiré. Mais bon, après, je joue pas en ligne aussi, donc c'est excusable. J'ai le droit d'utiliser ce type de personnage contre l'ordinateur. Tant que je joue pas en ligne avec. Parce que le online, en fait, le problème... j'aimerais bien pouvoir en faire du online, mais il y a deux problèmes à ça. Le premier problème, c'est que déjà, j'ai pas le niveau, parce que je suis pas très très bon sur les jeux Naruto. Sur tous les jeux de combat, de toute manière, j'ai pas un niveau qui est très excellent. Là où je suis vraiment le meilleur, c'est plutôt sur les jeux de course, les jeux de sport à la rigueur. Mais ouais, les jeux de combat, j'ai jamais été bon. Et par contre, le deuxième problème, c'est aussi la connexion internet. Bizarrement, à chaque fois que je joue à Naruto en ligne, j'ai des espèces de décalages qui sont vraiment très très désagréables. Et du coup, ben, j'y joue jamais, quoi, tout simplement. Hein. Allez, Neji, sauve-moi là. Parce que j'avais plus de... Putain. Putain, excusez-moi. Alors là, c'est fini, là, j'en ai marre de ces conneries. J'en ai marre de ton sable de merde là. Ton sable d'or là. Arrêtez de me faire chier avec. Ok. Donc là, on a ouvert... Ben non, là, on a ouvert la 8ème porte. Je perds de la vie encore. Comment on fait ça pour gérer, là? Savoir si on ouvre la 8ème, la 7ème... Mais putain, mais... Il est plus rapide que moi avec son combo à la con, là. Il est sérieux, lui? Allez, allez. Ok, on va arrêter le mode éveil ici parce que je perds beaucoup trop de vie. Oh là là, c'est quoi ce combo? C'est quoi ce combo? Allez, Neji. Ah, ça l'a pas touché. Allez, j'arrive. J'arrive, mon gros. Ok, j'ai cassé les soutiens, donc jusque-là, tout va bien. Allez, je t'ai eu, il te reste qu'une seule permutation, deux maintenant. Faut leur faire attention. Voilà, c'est à ça qu'il fallait faire attention. Ok, il est passé dans le vide, Tenten. Le temps que je recharge mon sacra, ben non. Allez, je prends le risque d'ouvrir la porte pour aller le finir. Ah, il m'a mis un contre, c'est pas vrai. Je vais pas perdre, pas comme ça. Enlève le mode éveil, Lilian. Sinon j'ai perdu. Si j'enlève pas le mode éveil. Allez, on lui fonce dessus. C'est fini, on a gagné. Oh là là, c'était juste. Ah ouais, là je me suis fait peur, quoi. Tu manques de fougue. C'est pourquoi tu ne peux pas me vaincre. Ah ouais, bah là il a manqué complètement de fougue. Parce qu'il aurait pu m'avoir, mais 100 fois. Rancé mérité complètement. Et ouais, c'est pour ça que c'est quand même très dangereux d'utiliser le mode éveil de Lee, quoi, en fait. Parce que tu perds de la vie instantanément, et du coup quand tu le laisses et que derrière tu manges un combo, comme il m'a mis un super combo lorsque j'étais en mode éveil, et ben en plus des dégâts du combo, ben, tu perds de la vie et du coup ben ouais, ça descend très très vite. Et là j'ai failli perdre tout simplement, quoi. Heureusement, ça va, je m'en suis bien sorti, quoi. Petite frayeur là sur le dernier combat là contre le quatrième Kazekage. Et c'est vrai que son sable, eh bien, le premier coup, je vous parle pas dans l'ensemble de ses combos, mais son premier coup était plus rapide que le mien. Et du coup, ben, j'ai failli prendre cher, quoi, en tout cas. Bon,
On va terminer cet épisode 45 par ici. Pour ce qui est du personnage que vous allez sélectionner pour le prochain épisode, donc je vais vous donner une petite condition comme d'habitude. Eh bien, vous allez me choisir un personnage qui a été réincarné durant la dernière grande guerre ninja, la quatrième grande guerre. Donc un personnage Edo Tensei. Par contre, vous n'avez pas le droit de choisir Hashirama. Donc Hashirama, je vous le montre pour ceux qui ne savent pas qui c'est celui-ci, donc le premier Hokage. Lui, vous n'avez pas le droit de le choisir parce que je l'ai déjà utilisé. Et vous n'avez pas le droit de choisir aussi Minato, puisque lui je l'ai utilisé à maintes et maintes répétitions. Et aussi j'oubliais le deuxième Hokage que j'ai utilisé aussi. Sinon à part ça, eh bien, vous pouvez choisir un personnage qui a été réanimé, quoi, un Edo Tensei. Donc ça peut être voilà, le deuxième Mizukage, ça peut être le deuxième Tsuchikage, ça peut être le troisième Raikage, ça peut être le quatrième Kazekage. Je pense qu'il y en a d'autres peut-être. Ouais, je crois qu'il y a Aku réincarné, il y a Zabuza, il y a qui. Bon, il doit y en avoir d'autres. Enfin, vous les connaissez pour ceux qui suivent le manga, voilà, le manga Naruto ou l'anime Naruto. Vous choisissez ça, vous me le dites en commentaire, et puis je sélectionnerai comme d'habitude. À la majorité, merci à tous d'avoir regardé ce 45e épisode sur Naruto Storm Revolution. Et s'il vous a plu, comme d'habitude, bien sûr, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu en dessous de la vidéo. Et puis, si vous avez envie de discuter avec moi en dehors des vidéos, n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, Twitter et Facebook. Les liens sont dans la description, comme d'habitude. A très bientôt, amusez-vous bien. Et bye bye tout le monde !